to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Si je ne suis pas forcément un fan de Tiger Moth Tale, j'adore l'album The Whispering of the World de Pete Jones. The Turning of the World est son disque compagnon des titres principalement acoustiques dans la même veine qui mélange mélancolie et joie de vivre sur 12 titres musicalement très variés. Autant vous prévenir tout de suite, ici il ne s'agit pas de rock progressif, encore moins de métal, mais plus de variété et de chansons à texte. Mais voilà, je n'ai pas pu m'en empêcher, il fallait que je vous parle de The Turning of the World. L'album commence sur un étonnant morceau de moins d'une minute intitulé The Getaway. Le titre me fait penser à une annonce de fin du monde. Des téléphones portables sonnent tous ensemble au milieu de la foule, des détonations couvrent des hurlements avant qu'un avion à réaction ne frôle les têtes d'une foule terrifiée. Ok, peut-être s'agit-il d'une énorme fête avec des cris de joie et ses pétards, bien que plusieurs éléments, comme le battement d'un cœur et des sons d'acouphènes, me font plutôt pencher pour la première version. À la fin de cette poignée de secondes énigmatiques, des petits oiseaux gazouillent. Tout semble à nouveau apaisé. The Turning of the World correspond sans doute assez bien à mes états d'âme actuels, une des raisons pour lesquelles il a trouvé un écho tout particulier à mes oreilles. Car la musique n'est pas vraiment celle que j'écoute d'ordinaire. Je pense particulièrement à des morceaux dansants comme Pass It On ou encore The Beautiful People of Munchwald qui racontent des beaux moments passés entre amis. En fait, ces titres légers contrebalancent d'autres nettement plus graves comme le magnifique The Snail, The Horse on the River ou bien You Reach for My Hand qui parle du père de Pete. Il y a également des pièces aux intonations plus folk, comme So Wonderful to Be Alive, avec ses percussions, We Will Remember, où résonne une flûte sur une mélodie toute simple à la guitare, ou The Lock Keeper, également joué à la guitare sans artifice. De nombreux instruments apparaissent sur cet album, saxophone, flûte traversière, percussion, accordéon, sortis des classiques clavier, basse, batterie, guitare, sans que je puisse créditer ici des musiciens s'il y en a d'autres que Pete Jones. Donc, je ne m'aventurerai pas à affirmer ici qu'il s'agit d'un album solo. I lost a loved one, a pain I know too well. Mon morceau préféré est le long de Snail, The Horse on the River, qui frise les 9 minutes et qui me chamboule à chaque écoute. Une pièce lente et mélancolique, à l'instrumentation très sobre, qui me rappelle beaucoup son précédent album The Whispering of the World. Mais pour tout vous avouer, chaque morceau de The Turning of the World parle à mon cœur d'une manière ou d'une autre, et j'aime l'album dans son intégralité. Cela pourra sembler surprenant à certains que je me complaise dans ce genre d'atmosphère après avoir écouté du métal dur, du rock progressif alambiqué et du cinématique atmosphérique. Mais voilà, je suis comme ça et j'aime beaucoup cet album. Je ne peux donc que vous le recommander chaudement comme The Whispering of the World si vous ne l'avez pas encore écouté. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine pour un album sans doute improbable. D'ici là, écoutez de la musique et soutenez les artistes en allant à leurs concerts. Vous pouvez bien sûr cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez suivre les autres, je vous en prie, abonnez-vous. Bisous !